Bonjour à tous! Alors, Wazerad nous a contacté pour une thématique complètement différente de l'habituelle. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment se focus sur être underlevel, être sous le niveau de ses adversaires, être plus ou moins comme vous en fait, quand vous êtes free to play et que vous avez des cartes niveau 10, niveau 11, et qu'en en fait en face il y a des full 13, des mecs full maxé, parce qu'on est déjà à 5000 trophées, que 5000 trophées c'est des mecs full maxé, que ça vous met la rage, et bah justement, on va faire en sorte de faire une vidéo dans cette zone de trophées, et Wazara va nous donner tous ses conseils. Bienvenue à toi. Ouais, salut, merci de l'invitation. Donc je pense que t'as bien expliqué. Là, ce niveau de trophée, c'est un peu le pire, quoi, parce qu'on tombe que contre des gens maxés et qui jouent pas forcément bien, mais à partir du moment où ils savent construire un push, on est un peu mort, quoi. Donc j'ai essayé de trouver un deck pour pouvoir répondre à ce problème, on va dire. Yes, et du coup ton deck, c'est un deck assez rapide avec ballon, avec golem de glace, ballon, bat, mineur, et puis il va très cycle en fait, avec boule de neige et mini PK. Ouais, c'est ça, exactement. Et à la place, du coup à la base, ouais, c'est ça, il y avait le PK et j'ai remplacé par le mini PK pour cycler plus vite. Voilà. Ok, on est parti sur le premier replay et on voit un petit peu les mécaniques du deck. Alors du coup, il y a une question que je me pose déjà de base, c'est pourquoi tu dis quitter être underlevel, avoir un peu moins de niveau, pourquoi partir sur un archétype ballon par exemple? Parce que à la base, je jouais JR en fait. Ouais. JR ou Golem et je me faisais ouvrir par tous les barbares d'élite, les PK et tout. Donc, j'ai remarqué aussi qu'ils jouaient tous toutes leurs cartes anti-aériennes en fait, c'était des cartes chères comme le sorcier, la sorcière, l'or de gargouille, des trucs comme ça. Ouais. Du coup, j'ai pensé au ballon et j'ai vu en même temps, je voyais un deck dans le top monde qui tournait pas mal. C'était le même deck que j'ai mais avec le PK. Ouais. Ou le kite qui était un peu raté là par contre. J'étais un peu déçu là. C'est ça qui est un peu dommage, mais ça je trouve en vrai les decks PK je peux pas mal les gérer du coup avec ça. Ouais. Mais quand je rate c'est un peu c'est chaud quoi. Ok, je suis très d'accord avec toi hein, sur ce que tu viens de dire sur le fait que c'est quitte à être à avoir moins de niveau, il vaut mieux jouer un deck rapide et effectivement le ballon ça peut être une bonne option qu'un deck lourd parce que justement t'as besoin. Les decks lourds t'as besoin que tes unités soient fortes sinon elles se font dépop par un sort quoi. Et là en plus dans ce deck il avait que le sorcier donc c'est assez facile de l'outcycle. Et la roquette aussi, c'est peut-être embêtant. Ouais, la roquette ça c'est assez embêtant. Ouais. Et plus coup, là, le fait qu'il a les barbares qui sont galères à gérer pour toi. Ouais, en vrai, je pense qu'avec une mousquetaire et des squelettes ça c'est suffisant. S'il les met tout seul après, c'est vrai que. En fait, moi ce que je peux pas gérer. Ok. C'est un choix. C'est ça, voilà, c'est exactement ce quand je joue tout le temps, quoi, en fait. Ouh là là, il boule de feu en plus. Ouais, non, Là, tu pars en ballon cache, non? Je savais pas trop son élixir, du coup, je voulais attendre. Ouais. De voir ce qu'il. Et du coup, je disais que. Je sais même plus ce que je disais, en fait. C'est pas grave. Ok. Tu veux dire ça, mais une roquette? Non, j'ai plus non plus, hein, désolé. Mais c'est pas grave, là t'as pris un bon avantage. Voilà, je sais ce que je vais dire. En gros, il y a des decks contre quoi je peux rien faire. C'est ceux qui construisent des gros bus en fait. Où en fait ils mettent un géant, un golem et derrière ils mettent toutes leurs cartes niveau 13, sorcière, sorcier. Ouais, bien sûr. Là, c'est assez chaud à gérer quoi. Ah, d'autant plus que t'as pas de gros sort, hein, donc toi t'es vraiment obligé de leur mettre la pression quoi. Ouais, c'est ça. Là je vois qu'ils jouent PK, du coup je mets tout. C'est marrant que tu aies mis le golem de glace ici, moi je l'aurais utilisé pour kite PK et j'aurais juste remis... Vu que j'avais les squelettes, en fait je trouve que squelette mousquetaire aussi ça défend très bien le PK, surtout que là il avait plus d'élixir pour l'accompagner donc... Effectivement, là tu as bloqué au golem au mini PK, c'est un plus boule de neige potentiellement, et encore t'as pas besoin. Pour le cochon je suis obligé de mettre boule de neige mais vu que là c'était pas la tour la plus faible j'ai pas mis. C'est ça, ça égalise hein, non t'as, clairement t'as raison, pas t'embêter. Là il met barbare donc je mets direct... mineur ballon, en plus la roquette vu qu'elle one shot pas le ballon et le focus il est sur le ballon, sur le mineur, voilà. Nickel, let's go. Ouais, c'est très bien ce replay, hein. Bien joué à toi. Merci. C'est vrai que c'est intéressant hein, les decks ballon rapide pour moi je trouve ça, en plus je trouve ça assez skillé donc moi j'aime bien. Ok, ouais là c'était un peu plus dur parce que il avait les petits appis à 4. Ouais. La machine et surtout la cabane de gobelin qui a beaucoup d'HP et qui se fait pas one shot par le ballon quoi. Ah et puis là il a vraiment tout full max et full doré hein. Il a tout. Là je pense que c'est ça ce que je me demande c'est comment ils font pour réussir à rester à ce niveau de trophée et pas monter plus haut quoi. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous posez la même question. C'est ça qui m'attriste un peu. En fait je trouve que mon niveau de trophée c'est l'endroit où on prend le moins de plaisir à jouer.
Ouais, parce que justement, Ouais. c'est le. Je pense aussi qu'il y a un espèce de cap à partir duquel, justement, Ouais. niveau 11, tu vois, niveau 11, 12, c'est des moments où ça commence à être vraiment dur de monter plus les cartes. Et du coup, Ouais, avant en plus j'avais mineur 11, ballon 11 et j'ai vraiment mis tous mes jetons d'échange pour ces cartes quoi, parce que sinon je pouvais rien faire. Ouh, Là ça ballon va qui quand même connecte un être un coup quand même, coup. hein, c'est pas Ouais. mal. Et il avait plus Puis d'élixir là, tu peux et. ramasser tout à la mousquetaire. Ouais. Mousquetaire, golem de glace, je Ouais, c'est pense. ça. Ouais. Encore que t'aurais mis bat à gauche et golem de glace, ouais, à droite, si vous Par voyez contre, go, c'était je vais mieux. être obligé de laisser taper le C'est ça. pour défendre. Ouais, ça aurait peut-être été mieux de juste mettre les bats à gauche, mais bon, c'est pas grave, hein, ça marche aussi. Ouais, donc je pense vraiment qu'il y a un palier sur lequel justement il y a beaucoup de personnes qui quand elles jouent bien se retrouvent quand même à bloquer parce que ben en face c'est niveau 13 et Ouais, c'est galère quoi. tu peux rien faire quoi. Et en plus, tu peux pas t'entraîner parce que bah, les gens ils jouent pas des vrais decks, ils jouent pas très bien. Donc après, pour les défis, c'est. Moi j'arrive pas trop à perf en défi justement parce que vu que j'ai pas trop de gemmes, je peux pas trop m'entraîner contre des Bien gens sûr. forts quoi. Moi, c'est À part vraiment le là. truc qui m'embête le plus sur le jeu. Hein. Vraiment, c'est le truc numéro un qui m'embête. C'est que le jeu, Ouais. il est très long, ou il est très cher, en tout cas, de pouvoir monter au Très max. pay to win. Bah, pay to progress, en tout cas. Parce qu'après, c'est niveau. Une fois que t'es 13, tu vois. Ouais. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux, tu seras pas meilleur. Mais ouais, c'est même effectivement tellement pay to progress que c'est un peu pay to win, effectivement. C'est un peu le problème. Et c'est vraiment ce qui me dérange parce que ben, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui justement sont pas max, etc. Et c'est normal. Et même moi, je suis pas max encore alors que j'ai déjà mis beaucoup sur le jeu. Enfin, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment vraiment bon. Même c'était Walouf, je crois, qui là il est en train de faire une ruée au super défi parce que il a envie de maxer son compte bah, parce que pour pouvoir jouer tout ce qu'il veut quoi. Ouais, normal. Hein. Mais je fais pareil, hein, je fais exactement pareil. Par contre, j'étais obligé de mettre lumière défensif. Ouais. Ça, c'est pas le play ce que je préfère, mais parfois on est un peu obligé. Et là, vu que je vois, enfin, je me souvenais qu'il avait plus trop de trucs en main, j'ai essayé, mais bon. Ouais, ok, là il remet la En machine fait, il volante. met. Tu vas juste chercher Oui. le bâtiment ici, c'est pas grave. Ils mettent un peu tout leur élixir pour défendre, donc je peux les. En vrai, c'est pas mal, je prends pas mal d'avantages d'élixir. Ouais. Par contre, là, ça À gauche, c'était si t'as mal. mis cher, après je peux faire un beau Ouais. contre-push, tu peux repartir Bah, du coup, ouais, justement. voilà, vu qu'il Ouais. avait. Et en plus, il a split les apices, c'était un peu une grosse erreur. Du coup, Ouais, là, je vais. d'autant plus que toi t'as pas de grosseur, hein, donc clairement il n'y a pas d'intérêt de split les apices contre ton deck. Ouais. C'est Ouais, genre le pardon, play j'ai coupé. réflexe, mais pas le bon Ouais. play, hein. Et là le ballon qui va connecter, ça va être la Ouais. fin. C'est ça. Nice. Oui, il me paraît sympa Voilà. hein, jouer ton deck. Effectivement, tu Ouais, peux pas ouais. gérer un gros push par contre, hein, ça c'est Ah sûr. non, là, c'est ça devient vraiment chaud quand tu tombes contre Géant Golem. Let's go! Ok, donc je suis là. Ah, bon défi. Alors t'es contre sorcier. Ouf. Ça va, tu prends avec un coup, J'étais pas 0. obligé. Donc, vous avez à peu près autant d'élixir, il a un tout petit peu de plus que toi, il a un de plus, et t'as pris un petit Ok. peu de coup à gauche de cochon, probablement. Là, je crois qu'il a juste le sorcier pour le ballon. Pour l'instant, il a sorcier, il a que Ouais. ça. Pour l'instant, il t'a sorti sorcier, Ok. gobelin, cochon et boule de feu. Oh, Mousquetaire, donc il a par deux contre, cartes. j'ai pas hésité. Ouais, tu dis qu'il a peut-être pas 3 contre aérien, faut pas pousser. En plus, là, ça va mettre un coup. Ah, bah non, ok. Ok, il a un canon quand même. Ouf. Ça va être embêtant ça. Au moins ton ballon il va gratter Que la sur le bombe, sorcier. ouais. Sur la tour aussi. Ok. Ça, par contre, pour les cochons, je Ouais, suis obligé de mettre. ouais, boule de neige plus mini PK. Ouais. J'espère. Oh, ça va pas. Ça Oh, suffira pas. Ouf. Squelette. Ouais. Bon, ils sont bien tes squelettes, hein, parfait. Il a deux ouais. d'élixir de plus que toi. Ouais, ok. Mais il a pas récupéré Ça. sa win condition encore, hein, vu que son cochon il vient de l'utiliser, donc. Ouais, il a juste le cochon. En vrai, ça va, ça va. Le Il match va était repartir fond de pas map en horrible. mousquetaire sûrement. Ah, Barbade est splitté. Ok. Ça, je vais essayer de les attirer avec le golem de glace. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Oh ah oui, j'avais oublié ça. Mais oui, la boule de feu Ah. L2S, évidemment. C'est pas cool ça. Je suis obligé. Oh Un coup, ça là fait trop mal. Hein. Ça fait trop mal un coup de barbare d'élite. là. Ouais, je sais pas, ouais. Oh là là. Ah, mais en vrai, j'aurais peut-être pu tanker vu que. Oui, moi j'aurais tanké. Mais c'est pas grave, hein, ça change pas grand chose. Faire gaffe à la Ah, suite. là, ça va. Par contre, du coup, j'ai plus rien pour le cochon. Ok. Là, Effectivement, je. t'as plus rien pour le cochon. Après, bah, un squelette boule de neige ça marche pas trop mal non plus. Hein. C'est pas le pire. Il a Là, zap je vais par contre, faire faut un faire gaffe. push. Il part à Ah. gauche, oui. Il a sorti derrière aussi, hein. Faire gaffe. Ouais. Je vais mettre ça. Ah, oh, ça sert à rien.
En plus, le sorcier qui tape. Ouais, par contre, ton ballon il va sur la tour un coup. Ouais. Bon, il a boule de feu, hein. Il pourra te finir à la boule de feu. Donc, ouais. Dans tous les cas, faut que t'ailles finir à droite. Ok. Je vais faire le push de la. Ouais, bon. Ouais, tu peux rien faire. Ça, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Ah. Ah bon, on les voit les full max. Le problème aussi, c'est effectivement ta mousquetaire, elle s'est fait one shot par la boule de feu. Ouais, ça c'est horrible, hein, vraiment. Oh là 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 là. Ah, ça c'est le bon Clash Royale qu'on aime, hein, effectivement. Ça c'est le Clash Royale que j'imagine pour la plupart vous vivez au quotidien. N'hésitez pas à dire hein, si vous connaissez la petite boule de feu qui one shot le sorcier. C'est le Clash Royale que je joue tous les jours, on va dire. C'est le Clash Royale que vous kiffez, hein. Je te laisse relancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de jeu ici? T2. En vrai, T2 ça va parce que je peux mettre ballon et mineur au centre pour contrer la T2. Puis c'est quelqu'un qui hésite pas à la mettre cash aussi. Donc c'est bien parce que du coup elle sera morte, tu pourras envoyer ton ballon. Ok, cochon à droite. Cochon mineur. Oh. Ok, c'est bon, j'ai pas raté la boule de neige. Ah, pardon. Mini BK, non, reviens. Mini BK qui va pas. Ah, il a boule de feu la mousquetaire. What? J'ai pas besoin de faire ça, mon ami. Oulala. Je sais pas s'il a la T2 dans la main. Non, pas encore, il faut qu'il a réussi. J'ai peut-être essayé golem de glace ballon. Vas-y, tu verras bien. On va voir ce qu'il a. Ok, ça va. Ouais, bah ça va connecter. Ah, part, il a pas les lex pour la petite. Deux coups peut-être. Ah, oh, ça serait énorme deux coups. Bah voilà. Ok. T'as presque mis 3, hein. il était sur sa animation. Pas le golem de glace. Ça, c'est pas cool. Ouais, mais t'as les squelettes, t'as mis PK, t'attends que le dragon connecte sur la tour, tu remets les squelettes. A droite, tu mets mini PK. J'ai plus les lex. Ou bat. Ok, bat, ça marche aussi. Ah. Ouais, il aurait bien fallu attendre et mettre mini PK. C'est pas grave, hein, ça marche aussi, hein, bien joué. Ok. Par contre, il m'a mis cher sur les deux un peu. Je pense que je vais partir ballon de l'autre côté. Ouais. Bon, pour l'instant, il a pas l'air d'avoir trop de défense. Il a la T2 hein, toujours, okay. Mais à part ça, ouf, c'est pas mal ça. Ah, donc valide, bien sûr. Est-ce que c'est. Ok. Ok, boule de feu. Ouais. Il a pas besoin non plus de la mettre celle-là, mais tant mieux. Du coup, il a la tour de l'enfer pour défendre, il a le bébé dragon. Je pense que je vais full défendre là. Ouais, ok. PK fond de map. En fait, il y a des moments où je sais pas trop quoi. J'ai. Bah, moi, j'aurais mis offensif aussi pour justement lui faire claquer de l'élex en def. Ouais. Donc là, il va. Ouais, sorcière, il a un bébé dragon également qui va poser à droite bientôt. Faut faire gaffe, hein, par contre, faut vraiment pas le laisser trop accumuler. Ok. C'est bien, tu les gères bien les PK, hein, t'as beaucoup de farm. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Les PK, j'arrive pas mal. Mais ça... Oh mince, par contre. Ouais, faire gaffe à la boule de feu. Mais... Bon, ça ira, t'auras le temps quand même de. Ok. En seconde, il pourra pas te finir, faut que tu défends le cochon, hein. Faut que tu mettes mini PK, cash, boule de neige. Bah voilà. Easy win. Yes. Ouh. Bah après il est pas... Vas-y. PK ça va, c'est plus facile que le géant on va dire. Ouais carrément, ça se gère bien. Bah ça se voit hein, les squelettes et tout, tu les tends un peu bien. Après faut pas hésiter je pense à continuer à mettre de la pression double lane. Parce que encore une fois tu peux pas défendre des gros push toi hein, donc t'es obligé de... Ça j'aime bien faire. À part si, en vrai moi je suis niveau 12 et j'ai des cartes 11-12 donc... Ah. Bon, il joue un vrai deck lui déjà. On va quand même boule de neige. Non, y'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il nous joue d'autre avec? Sorcier, ok. Ouh, tu connectes un coup, c'est pas mal ça. Pour le coup. Je vais mettre golem de glace, je pense. Ouais, pas besoin de plus. Ce qui fera que vous serez à exactement autant d'élixir si tu poses golem de glace. Nickel. Là, il a sorcier. Bah, sorcier bûcheron ballon, pour l'instant on sait que ça. Ok. Par contre, j'aime pas trop attaquer du même côté, mais bon, je suis un peu obligé là. Ok. Bon, t'as encore mini PK là ou pas? Ouais, ça va. Si je veux, d'accord. Ok. Je vais mettre boule de neige là, je pense. Hein. Oh bah, même pas besoin. Oh, il a pris tellement le tarif son électro. Je crois qu'il a plus le sorcier et plus l'électro-sorcier, du coup, je vais faire ça. Il a le sorcier ici. Il a le dragon en fer ici. Avec un coup, c'est pas mal. Ouais, okay. Du coup. Ok, donc là, il a récupéré. C'est pas obligé, mais c'est au moins, j'aime bien mettre des dégâts des deux côtés comme ça.
Bah, il faut, parce que de toute façon, ton deck, il peut pas... c'est un deck vraiment split push. Hein. Tu peux pas te permettre de tout mettre du même côté parce que t'as pas de gros sorts ou autre pour faire de la value. Ouais. Ok, bûcheron valon. J'ai pas grand chose. C'est pas mal, hein. Par contre, j'ai défendu pour cher. C'est bien parce qu'il a... il met pas de zap ou autre pour défendre tes bats, il met rien pour défendre tes bats. Je sais pas s'il a le deck des pros, mais. Oh, oula. Okay, non, c'est non, pas non, ça. Bah de toute façon, il y aurait pas de sorcier, électro sorcier dedans, enfin, il reste un deck à lui. Okay. Ouais, j'aime bien le mini PK parce que ça coûte moins cher pour défendre tout ce qui est barbare d'élite et tout. Ah ouais, il a l'électro par contre. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Juste électro suffit pas, hein. Il est obligé de mettre plus. Ça met un coup. Et bah voilà, parfait. Ah bon, ah ouais. Bon, et puis c'est pas grave, tu reprends la tour avec le ballon, c'est pas mal. Il reste 40 secondes pour réussir à défendre à droite, donc il joue méga chevalier, barbare d'élite. Ah ouais. Non, je sais pas. Si t'as bougé, je peux def. Hein. Ouais. Ouais, il connectera pas. En fait, il a rien pour gérer les bats, donc il est trop en galère à chaque fois que tu vas mettre les chauves-souris dessus. Bon. Bon, bah voilà. Hein. Yes. Il coûte trop cher son deck. Il coûte trop cher, l'ami, ton deck. Allez. Là, c'est tous ces decks, tous leurs decks, ils coûtent trop cher en fait. C'est dingue, hein. C'est tu sais, genre jouer poison, barbare d'élite, méga chevalier, dragon d'enfer, sorcier électrique. Ouais, c'est ça. Un moment c'était que je pense il y a une ou deux saisons c'était que Valkyrie, sorcier, vraiment il y avait que ça. Ouais. Et là la saison d'avant déjà vu qu'il y avait que de la sorcière, elle était très forte. J'ai un peu galéré, j'ai monté à 5-5 en record. Ouais. Cette saison je pense que ça devrait mieux aller. Oh bah largement, c'est déjà à 5200, tu peux aller plus haut. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Effectivement, du coup, c'est une thématique complètement différente de l'habituel. Vous savez, moi j'aime bien également varier les contenus. Et Wazara nous a contacté en mode hey, bah du coup, j'aimerais bien proposer et voir autrement. Parce que c'est vrai que généralement, ce que je propose, moi, c'est plutôt des decks méta. Donc, ça va plutôt être comment on joue tel deck, etc. Donc, pour faire, je sais pas, du top ladder, du super défi, etc. Mais forcément, vous avez pas forcément le level des cartes. Et il y a d'autres problématiques. Il y a d'autres méta également sur des zones de trophées qui sont plus basses. Donc, ça permet également de voir ça. Merci beaucoup à toi, Wazara. Ouais, merci de l'invitation. Bah, c'est un plaisir, moi ça fait plaisir, hein. je passe un bon moment. Et du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée.